Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce lundi 17 juin à l'occasion du prix Magic Knight. Une épreuve pour juments de 4 ans et plus qui vont en découdre sur les 2000 mètres. Une épreuve dans laquelle je vais plutôt me méfier du haut du tableau. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas que l'opération spéciale de Genibet lancée à l'occasion du prix Diane Longines continue. Ce lundi, le défi proposé est de gagner 2 trios ordre sur 2 courses différentes du programme du jour, à la clé 2000 euros. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez me retrouver quotidiennement au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour retrouver mes impasses. En tête, ce sera le numéro 4, Santorina, devant le 7, Alcimria, l'As, Wild Panzi, le 5, Joe Spirit, le numéro 6, Pingo et le numéro 16, Lorne. Allez, il est temps de passer à notre analyse. Ma pépite, vous l'aurez compris, ce sera donc le numéro 4, Santorina. Même si cet élève de Lucie Pontoire montre une certaine aptitude aux pistes en sable fibré avec déjà 3 succès, à son actif, elle a aussi prouvé qu'elle était à son affaire sur le gazon. En atteste ses 2 dernières prestations avec une 2e place et une 5e place à Longchamp dans des événements. Sa forme est sûre et elle est compétitive en valeur 37. Croyez-moi, elle est capable de s'imposer. Pour mon coup de cœur, ce sera le numéro 7, Alcimria, qui a alterné le bon et le moins bon à 3 ans avec un succès à Angers et des accessites à Compiègne et Clairefontaine. Alors, elle a échoué à ce niveau en fin de saison dernière, mais attention, c'était sur la PSF. Elle n'a pas été ridicule pour sa rentrée sur ce parcours avec une 6e place à la clé. On sait que les protégés de Michael Delzangle progressent vite entre les courses, plutôt bien engagés en valeur. Elle ne me surprendrait pas en jouant le podium. Prometteuse en début de carrière, l'As Wild Panzi va s'élancer avec la confiance de son mentor qui a choisi cette épreuve plutôt qu'un lot un peu plus relevé la veille à Chantilly. Cette élève d'Henri-Alex Pantal, prometteuse en début de carrière, a ensuite tenté à plusieurs reprises sa chance au niveau semi-classique sans vraiment y convaincre. A noté toutefois une 2e place dans un groupe 3 sur la distance en Italie à Milan. Elle a déjà triomphé sur le parcours du jour, elle est prise à sa valeur ce lundi, un conseil ne l'a négligez pas. Plutôt appliqué ces dernières semaines, j'ai repéré pour vous le numéro 5, Joe Spirit, à l'occasion de sa dernière tentative à ce même niveau dans le prix du Palais des Glaces à Longchamp. Ce jour-là, cette protégée de Pierre Sigaud a longtemps été pointée en retrait avant de bien s'allonger dans la phase finale pour venir s'octroyer une probante 3e place. Sur sa lancée, je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer le podium. Mon coup de poker, ce sera le numéro 6, Pingo, qui sans être un modèle de régularité, c'est vrai, s'est déjà bien comporté à ce niveau, échouant à plusieurs reprises au pied du podium. Elle s'est notamment classée 5e de cette même épreuve l'an dernier en valeur 39. Elle porte 5 livres de moins ce lundi et vient de prouver sa forme dans la course référence avec une 4e place à la clé. Bien engagée, je trouve qu'elle mérite un certain crédit. Ma petite trouvaille du jour, ce sera le numéro 16, Lorne, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Châteaubriant. Cette postillonnaire d'Adrien Foissier possède des lignes avec Pingo et s'adapte à tous les terrains. Bien engagée en bas de tableau, franchement, je m'en méfie. Il est temps maintenant de parler de mes impasses. Alors d'abord avec le numéro 15, Andy, ça sera mieux, qui a surtout tiré son épingle de jeu en province au niveau inférieur. Elle ne sera pas sur sa meilleure distance, franchement, je n'y crois pas. J'écarte également le numéro 13, la Diva d'Alben, qui a sauté un engagement dernièrement à Dieppe et qui aurait probablement été plus à son affaire sur plus long, raison pour laquelle je l'écarte. Voilà, tout est dit ou presque, maintenant c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, bien sûr, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5.